Bonjour la famille, c'est encore papa. Sur le chemin de la mobilisation et de la liberté du peuple camerounais. Et mon message est encore pour les gens que j'aime le plus au monde, les Bensikineurs, les Colboxeurs et les vendeurs à la sauvette. Je vais m'attarder sur mes amis, les Bensikineurs. Vous savez pourquoi? Je m'attarde sur vous parce que le gouvernement camerounais a plus peur des Bensikineurs que des politiciens. Et vous savez pourquoi? Simplement parce que vous êtes plus déterminés, parce que vous avez plus des raisons de vous battre, parce que vous êtes plus nombreux, parce qu'ils ne peuvent pas vous contrôler. Ils peuvent contrôler les politiciens, mais ils ne peuvent pas contrôler votre rage. Ils peuvent corrompre les politiciens, mais ils ne peuvent pas tous vous corrompre. C'est pour ça qu'ils font la corruption de vos syndicats et de vos chefs de syndicats. Sortez de ces choses qui ne sont que des antichambres de la dictature. Parce que les chefs de syndicats des Bensikineurs, eux, ils vivent bien, pendant que les Bensikineurs vivent mal. Vous croyez qu'il vous a proposé des casques, pourquoi? Pour que vous restez à l'état de Bensikineurs. Vous croyez que le président Paul Biya, le grand bandit, a fait tout un discours en parlant de vous, pourquoi? Parce que vous êtes la plus grosse menace pour le régime de Yaoundé. C'est vous, Bensikineurs, qui pouvait faire tomber le régime de Yaoundé et changer vos vies. Ce ne sont pas les petits politiciens. Aujourd'hui, je m'attarde sur vous encore pour que vous compreniez que vous êtes la clé de la liberté du Cameroun. C'est pour ça qu'ils vous bloquent. Votre nombre est une arme contre laquelle ils ne peuvent rien. Votre détermination, le fait que vous n'ayez plus rien à perdre, et ce qui vous rend fort et indestructible. Parce que vous savez ce que c'est que la souffrance. Parce que vous savez ce que c'est que la misère. Il y a beaucoup de frères qui m'ont envoyé des messages pour dire, si jamais on nous repère, on va nous arrêter un à un. On ne peut pas vous arrêter un à un. Remarquez seulement à Yaoundé, à Douala, regardez en Dokoti. Personne n'arrête un mouvement de Bensikineurs. Personne n'arrête un mouvement de Bensikineurs. Même les policiers fuient. C'est pour ça qu'ils vous bloquent et ils vous effrayent. Parce que votre nombre et votre détermination est beaucoup plus forte que tous les slogans politiques qui peuvent exister. C'est pour ça qu'ils ont peur que vous vous associez à un mouvement politique fort. Parce qu'ils savent que les Bensikineurs, derrière un mouvement politique fort, c'est la liberté du Cameroun. Je vous en prie, la famille. Il y en a qui essayent de vous faire croire des choses parce qu'ils veulent vous enlever votre force. Ils veulent vous enlever votre détermination. Ils veulent vous enlever votre capacité à changer les choses comme au Mali, comme au Burkina Faso, comme dans tous les pays où les révolutions sont portées par les gens qui souffrent, par les Bensikineurs, par les Colboxeurs, par les vendeurs à la sauvette. C'est pour ça qu'ils vous font la corruption. Parce que c'est vous la force. C'est vous le peuple. C'est vous la clé. Et aujourd'hui qu'ils croient contrôler cette clé par la corruption, par la violence, ils savent très bien qu'on peut être plus violent qu'eux. Ils savent que vous pouvez être plus violent qu'eux. Les syndicats, c'est des bandits. C'est des petits bandits qui partent prendre leur petit franc et ils viennent à la télé pour dire « Nous, on est derrière le président Paul Biya. » Parce qu'ils vivent bien. Les présidents des syndicats des Bensikineurs ne vivent pas comme des Bensikineurs. C'est ça le problème. Votre force réside dans votre nombre. Et si vous mettez cette force dans la liberté, alors vous serez libre. Faites pas d'omelette sans casser d'œufs. Je ne vous dis pas que ça va se passer comme une lettre à la poste. Mais je vous dis que comme chaque chose, chaque lutte est un combat avec des risques, on prendra des risques. Mais non, ils ne pourront pas gagner parce qu'on est plus nombreux. Un peuple mobilisé n'a pas peur d'un petit groupuscule de jouisseurs gros, affamés, gros comme ça, là, assis, après, habitués à jouir des prébendes et de la misère des autres. Non, vous êtes la solution, les gars. Vous pouvez libérer le Cameroun.
vous pouvez vous libérer, vous pouvez donner une alternative à vos familles, parce que nous sommes plus nombreux, parce que vous êtes plus nombreux. La clé réside qu'en 50, 100, 200, 1000, 1500, 250 000, 1 million de Bensikiners se lèvent, il n'y a aucune armée qui peut l'arrêter. Il n'y a aucune armée qui peut l'arrêter. On ne peut même pas prendre les noms des bavards quand les Bensikiners se lèvent pour bouger. Vous êtes la plus grosse force du Cameroun. Vous êtes plus fort que toutes les armées. Et c'est sur vous que s'appuie la révolution. C'est sur vous que s'appuie le changement. Parce que votre envie de changement est beaucoup plus grande que les autres qui sont très confortablement assis dans leur prébande. Je ne peux pas vous dire il ne va rien se passer, vous allez juste... Non, ce serait vous mentir. Je suis le général, les gars. Et je sais qu'on y arrivera qu'en se battant. Et on va se battre. Si vous êtes debout, rien ne pourra vous arriver. Le nombre est le plus important. Merci la famille. Merci à vous pour tous vos messages. Vous avez été magnifiques. C'était papa, votre ami, votre frère. J'ai beaucoup d'amour pour vous. Merci.